Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect 2. Et aujourd'hui on va reprendre un petit peu la quête principale en allant recruter un personnage supplémentaire, un personnage que l'on connaît déjà vu qu'on l'a eu avec nous dans le premier Mass Effect. Il s'agit de Tali. Grunt a l'air très agité. Vous devriez aller voir ce qu'il tracasse. On verra ça un petit peu plus tard. Alors. Eh ben du coup on va rejoindre le relais Cosmodénite. Et on va aller recruter Tali sur la bordure extérieure à cet endroit-là. Juste ici. On est sur Aestorm. L'ancienne colonie carienne d'Aestorm fut établie pour observer les phénomènes de Dolan, l'étoile du système. Celle-ci semblait en effet instable et menacée de se transformer prématurément en géante rouge. Aestorm fut abandonnée aux Geth en 1896, peu après toute transmission depuis la planète et ses stations spatiales annexes, Cessa. Ces trois derniers siècles, les Geth n'ont rien fait qui indique qu'ils considèrent Dolan comme une menace, hormis peut-être établir plusieurs stations spatiales à proximité. Les éruptions magnétiques et l'émission solaire de l'étoile brouillant toute transmission de sa périphérie, nous ignorons comment les Geth ont pallié ce problème. Aujourd'hui, les relevés de nos sondes espionnes indiquent la présence de nombreuses structures orbitales autour d'Aestorm, abritant plusieurs milliers de plateformes et un nombre inconnu de consciences Geth. En raison des interférences provoquées par Dolan, il est impossible de scanner la surface d'Aestorm pour déterminer le nombre exact de Geth qui s'y trouvent. Les estimations de ressources basées sur les activités minières, le raffinage et l'usinage Geth indiquent par ailleurs qu'ils pourraient encore exploiter la planète durant 20 années. Les experts en renseignement spéculent que les Geth n'ont pas exploité toutes les ressources parce qu'ils souhaitent garder leurs réserves pour les réparations. Recommandation aux voyageurs, Aestorm est une place forte guette. Seuls des drones espions militaires dotés d'une technologie furtive extrêmement avancée nous sont revenus. Tout transport civil est interdit. Mais on va y aller quand même. Donc là, on risque d'avoir à affronter des guettes. Alors, avec nous, qui est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre Miranda. Ah, je peux modifier l'apparence peut-être de Jacob maintenant. Elles sont plus sympas les tenues alternatives, je trouve. Allez, on est parti avec ce commando-là. Alors, j'ai plein de points du coup. Voilà, il va falloir que je m'en mette mes grades. J'étais à minima au niveau 2 sur tout ça, il me semble. Parce que la dernière fois, j'ai fait une recherche que j'aurais pas dû faire. 3 points ici. 3 points sur la montée d'adrénaline. Une sur les munitions incendiaires. Il me reste encore 7 points. Je vais prendre un tir percutif 3. Pour 4 points, je vais finir d'améliorer la maîtrise du combat. Voilà, du coup, on a un petit peu modifié la manière dont on a fait tout ça. Votre fureur de vaincre se fait plus violente que jamais. L'amélioration des capacités. On est élite à ce niveau-là, donc pas de problème. On atteint le niveau supérieur, enfin le niveau maximum pour celui-là. Allez, on est parti. L'exposition à la lumière du soleil endommagera vos boucliers.
D'accord, donc il va falloir faire attention au soleil. Et bien penser à rester à l'ombre. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'on va être obligé. Il va falloir courir un petit peu, sans doute. Ces radiations perturbent mes boucliers. Évitez la lumière du soleil. Restez dans l'ombre. Allez, c'est bon, on a ouvert la porte du complexe, on va pouvoir y aller. Alors. Des guettes. On y va. Celui-là a fait mal. Et oui, il a été tué le dernier. Alors. Il faut qu'on trouve un passage qui ne soit pas exposé à la lumière. Les radiations perturbent les boucliers. Attention. C'est quoi ce truc? Oula, ils sont nombreux.
Tu n'avais pas devant moi. On a acquis une mitraillette M9 Tempête. Miranda peut l'utiliser notamment. Ici le commandant Shepard du Normandie. Avez-vous besoin d'aide? Basculer sur la fréquence 617 plus tard. On était en opération furtive, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Mais les guettes nous sont tombés dessus. Ils nous ont coincés ici, pas moyen de rejoindre notre vaisseau. Et les radiations solaires empêchent toute transmission. Rapport de situation. Combien d'hommes il vous reste? On était qu'un petit commandant, une douzaine de marines, plus l'équipe scientifique. J'ai perdu la moitié de mes gars. Mais ces crevures de synthétique l'ont payé cher. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace guette? Vous savez d'où les guettes sont venus? Un de leurs patrouilleurs les a repérés. Les guettes ont appliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète. Ce système est sous contrôle guette. On savait qu'ils balayaient régulièrement la planète. On espérait qu'on passerait au travers. Quelle est votre position? On s'est retranché au camp de base, à l'autre bout de la vallée. J'ai laissé Talizora à l'abri avant de nous rappliquer là où ça chauffait. Exfiltrer Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, on couvrira vos arrières. Vous avez la confirmation que les guettes n'ont pas encore atteint Tali? Affirmatif, mes meilleurs hommes sont avec elles. Sur ce tas de cailloux, on jurait de protéger Talizora. Tant qu'on n'y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Tenez la position, on les prend à revers. Attendez, faites gaffe. Transporteur en approche. Alors, un transporteur guette. Affiche-les sur mon radar. C'est fait. Vous aurez besoin des deux charges pour dégager les débris. Ok, on va aller trouver les explosifs du coup. Attention! Hé, hey, qu'est-ce que vous prend? Suivez. Bah, t'as qu'à pas te mettre dans mon champ de tir. Allez, c'est bon pour ce passage-là. Il nous faudrait un échantillon pour mesurer la progression du taux de radiation. Mais l'équipement n'arrête pas de nous lâcher. Sur Terrum, Shepard avait utilisé un laser de minage pour déveiller des gravats. Peut-être que je pourrais en faire autant avec des charges de démolition. Ça, c'était par rapport à ce qui s'est passé dans le premier. Récupérer des doses
Et on a récupéré surtout la première... Voilà pour Get Prime. Oh, l'iridium, nickel. Allez, on a trouvé les deux charges, maintenant il ne reste plus qu'à retourner poser les charges pour dégager l'entrée. Oh, ok. C'est pas... Ça fait aligner. Voilà, un destroyer. Wow. Allez, on va employer les grands moyens. Allez, on continue d'avancer. Ah, j'ai encore l'iridium ici. Ça devrait suffire. Faut qu'on évacue. La zone d'impact est plutôt... Ok, on va pouvoir passer par la porte maintenant.
Ces bâtiments sont cariens. Cette colonie date d'avant le soulèvement des Geth. Cette colonie est en plein territoire Geth. Qu'est-ce que les cariens viennent faire ici? Allez, on va déverrouiller le coffre. Tali, c'est Shepard. Shepard? Pas que je m'en plaigne, mais vous surgissez vraiment de nulle part. Qu'est-ce que vous faites ici en plein territoire Geth? Je passais dans le coin, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main. Merci d'être venu, Shepard. C'est un soulagement d'entendre votre voix. Kalrigar et ce qui restait de ses marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les Geth sont déployés en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venus chercher? Elles concernent le soleil de ce monde. Il vieillit plus vite que la normale. Je vous en dirai plus quand les Geth auront fini de nous tirer dessus. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Vous êtes seul ici? Rigard m'a fait escorter par ses Marines quand je me suis réfugié dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là-dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie. Ok, on va devoir aller voir Tali. D'accord, elle a été occupée, enfin elle l'a prise automatiquement, tant mieux. Ok, on continue du coup. Et en avance, on va aller rejoindre Tali. Ils nous ont vus. Le drone Geth a disparu. Une sorte de champ de camouflage. Un de moins. Coup au but. Ennemi abattu. On y va. Cible éliminée. Suivant. C'est plié. Parfait. Cible neutralisée. Facile. Bien. Parfait. Bien. Soit inflammable. Enfin bref, c'est prêt. Attention. Wow. Ennemi abattu. Un de moins. Facile. Bouclier perdu. Cible éliminée.
Alors, où est-ce qu'il est ce Get Prime? Faire tuer par les drones quand même. Cible éliminée. Allez-moi, facile. Un autre prime. Wow. Ça va faire un joli feu de joie. Ok. Bon, par contre, je dois plus avoir de Medic Gel là. Ennemi en face. C'est juste un peu nourri. Ennemi abattu. Ah non, un colosse. À couvert. Ah, c'est marrant de retrouver tous les méchants du premier Mass Effect. Hein. Ces armatures sont problématiques, pas ma spécialité. Paré au combat. Là-bas, à couvert. Chef d'escouade Calrigar. Des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Dali est à l'intérieur. Les guettes ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. Combien de guettes en tout? Les guettes ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point? J'ai rabattu les clampes de sécurité pour isoler la contamination. Et je me suis goinfré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au beau milieu d'une bataille. Ce serait humiliant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper guette embusqué. De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de colosse vous aura tout le temps visuel. Et les guettes se rabattront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du colosse. Mais vous serez exposé aux tirs de sniper. C'est comme ça qu'ils m'ont eu.
Comment on s'y prend pour abattre un colosse? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leurs boucliers avant de renier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi. Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on l'esquinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse, faudra agir vite. On devra se risquer au contact, au-delà de ce poste à couvert. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Bonne chance, Rigard. Allons massacrer du Get. Il a cela. Salut, Tali, pour moi. Ennemi en vue. Alors du coup, nous, on va passer par la gauche, je pense. Celui-là. Oh, il y a le colosse là. Ok, voilà pour le colosse. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à récupérer quand même, si je vois qu'il y a de l'iridium notamment.
Bien joué! Maintenant, récupérez Tali, je vous suis dans une minute! Ok. Allez, on va aller récupérer Tali maintenant. On a récupéré à peu près tout ce qu'il y avait à récupérer. Laissez-moi seulement terminer ce téléchargement. Merci, Shepard. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress, mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Combien de Cariens sont morts ici? Ça en valait la peine? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en phase de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravi d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenu. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde, vous vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le commandant Shepard. Je transmettrai les données à la commission de l'amirauté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veillez sur elle. Et voilà, donc on a terminé la mission et on a récupéré Tali avec nous. On a gagné pas mal d'iridium aussi. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. Ce ne sont pas des anges, Tali. Mais cette fois-ci, on est dans le même camp. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Cerberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider. Sinon, eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Je ne vous demande rien de plus, Tali. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'IDEA, l'intelligence artificielle du Normandie. Ok, et voilà, on a donc terminé une nouvelle mission. Et on a un nouveau personnage dans notre équipe. On va aller voir le Tech Lab, là. J'ai récupéré pas mal d'iridium, peut-être que je peux faire des trucs avec. De la platine. Et il faudrait de l'iridium pour améliorer la mitraillette. La mitraillette, moi je l'utilise pas.
Ah, j'ai une amélioration de vaisseau. Ah, le scanner qui permet d'avoir de l'iridium. Enfin, qui utilise l'iridium plutôt. Bon, du coup, je vais faire l'amélioration d'armure. Je vais prendre celle-ci déjà, même si c'est pas avec de l'iridium, avec de l'élément 0. Un petit peu plus de dégâts biotiques. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mon intuition féminine me dit qu'elle veut que vous soyez plus que bons amis. Vous vous trompez. Notre relation est purement platonique. Ça se voit dans ses gestes, la façon dont elle se tourne quand vous entrez, dont elle épie le moindre de vos mouvements. Je trouve les Cariens fascinants, mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. De la peine? Pourquoi ça? Ils ont des combinaisons magnifiques, mais à cause de leur système immunitaire, ils en sont prisonniers. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque, quelle est la consistance de leur peau. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Garus est sur des charbons ardents depuis qu'il a reçu un message. Vous devriez peut-être aller le voir, il est à la batterie principale. Mordine voudrait vous parler, il est dans son labo. Samara veut vous parler, vous la trouverez dans la baie d'observation, au pont résidentiel. Grunt a l'air très anxieux, il fait les 100 pas dans la soute. Vous devriez peut-être aller voir ce qu'il démange. Autre chose, commandant? Non, ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, l'homme trouble veut vous parler dans la salle de débriefing, commandant. Je vais attendre avant d'aller voir l'homme trouble... Juste aller voir mes messages. Et du coup, bah, vous voyez qu'on a beaucoup de missions secondaires sur des personnages à faire. J'ai envie de les faire. Alors, je sais que ça va rallonger un peu la série, mais je les trouve intéressantes. Donc, je vais faire les missions des personnages secondaires. Alors, de commission de l'amirauté de la flotte nomade, commandant Shepard, suite à la demande de Talizora Vasnema, accompagnant les données transférées d'Alestorm, la commission de l'amirauté a l'honneur de vous informer que son incorporation à votre commando a été acceptée. Il a été également notifié à Talizora qu'elle devra toujours s'acquitter de certaines obligations ponctuelles auprès de la flotte nomade, mais qu'elle bénéficie toutefois d'une certaine marge de manœuvre quant à la fin effective de ce transfert. Bien que cette décision lui appartienne entièrement, nous sommes conscients que votre rôle de capitaine de facto à l'occasion de son pèlerinage a pu la rendre plus sensible à votre influence. La commission de l'amirauté est convaincue que vous traiterez cette nouvelle recrue avec le respect et les égards dus à un membre respecté de la flotte. Sachez cependant que s'il y arrivait quoi que ce soit, en raison d'une négligence de votre part, la commission se verrait dans l'obligation de prendre des mesures drastiques à votre encontre. Très bien. Et on a un message de Leslie. Je m'appelle Leslie, j'étais sur EA, la nourriture m'a rendu malade, les médecins me soignent. L'un d'eux connaît Jacob, c'est ce qu'il peut vous dire. Il voulait l'écrire pour moi, mais je vais le faire. Je dois utiliser mes propres mots. Mes mots me reviennent. Je peux m'exprimer. J'ai encore du mal à lire, mais je progresse. Il le faut. Taylor me voulait dans cet état, affaibli. Il doit savoir qu'il a perdu. Je ne suis pas faible. Il m'a fait des choses, mais c'est pas fini. Il ne peut plus voler mes mots. Il ne peut plus me changer, parce que vous et Jacob l'avez arrêté. Merci. Leslie. Très bien, et bien écoutez, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va reprendre des missions secondaires avant d'aller recruter le dernier membre de notre équipe. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.